Wait a minute, listen. Attends une minute, attends. You see, last week, ouais, la semaine dernière, we saw one man. Nous avons vu un homme that entered into the boat, into the ship. Entré dans le bateau, dans la barque. And what happened? Et qu'est-ce qui s'était passé? All the doors of the people were locked. Toutes les portes des autres étaient fermées. Because à cause one man d'un homme who was running away from God, qui était en train de fuir Dieu, became associated with them. S'était associé à eux, and everything et toute chose was locked. Était fermée. Today, aujourd'hui, we are seeing people. Nous voyons les gens. One people. Nous voyons les gens who are for God, qui sont oubliés. They entered into prison. Sont entrés dans la prison. All the doors of their lives et toutes les portes de leur vie sont ouvertes. It's open. Sont ouvertes. We said. Nous avons dit last week, la semaine dernière. Oh, this was during Bible studies, right? You know, you have to join us every Wednesday on vous Zoom. You're missing out on something. Vous joindre à nous chaque fois à Zoom, vous ratez des we choses. We said. Nous avons dit. Elder Olivia brought that out. Et c'est l'ancienne Olivia qui a fait ressortir ceci. I've said this so many times. Et j'ai dit ceci plusieurs fois. Be careful. Fais attention. Who you associate with. À qui vous associez, whether in the good times, que ce soit dans les bons moments or in the bad times, ou dans les mauvais moments. I'm sure these prisoners are saying, je suis sûr que cette prison, comme thank je dis, God, je remercie Dieu. They brought Paul and Silas to prison. On avait amené Paul et Silas because en prison. By reason of this connection, parce qu'en raison de cette connexion, every door, chaque porte is open, est ouverte. These men, ces hommes, have learned something, ont appris quelque now, chose. Reason with me, raisonnez avec moi. This is the same prison. Ça, c'est la même prison that John the Baptist was in. Dans laquelle se trouvait Jean-Baptiste. And what was his response? Et quelle était sa réponse? Jesus, Jésus, I don't think it is you. Je ne pense pas que c'est toi. Because it cannot be you. Parce que ça ne peut pas être toi. How can this be you? Comment est-ce que ceci peut and être I am toi? Here, et je suis, and ici. You are not coming to free me. Et tu ne viens pas me libérer. And John is angry. Et Jean est fâché. And John is blaming Jesus. Et Jean blâme Jésus. And John is rebuking Jesus. Et Jean reprimande the Jésus. Same prison. La même prison. They took Paul and Silas. On y a amené Paul et Silas. They put them there. Et on les a mis. They said Jesus. Ils ont dit Jésus. It doesn't matter. Peu importe. Whether you come quand tu viens, or you don't come. Ou quand tu ne viens pas. We shall praise you. We shall worship you. Nous allons t'adorer. Nous allons te servir. What you give or you don't give. Ce que tu donnes, tu ne donnes pas. Listen to me, church. Écoute-moi, église. Listen to me. Écoute-moi. Never blame God. Ne blâme jamais Dieu. Never blame God. Ne blâme jamais Dieu. Never even try to be angry with God. N'essaie pas d'être en colère contre Dieu. You end up hurting yourself. Tu finis par te nuire toi-même. More than that, your anger. Plus que ta colère. Can I tell you something? Est-ce que je peux te dire une chose? Blame. Le blâme has never brought any solution. N'a jamais apporté de solution. You know why? Tu sais pourquoi? Because parce que the more you start to blame, plus tu t'attardes dans le blâme, the more you begin to release resentful emotions. Plus tu commences à relâcher les émotions négatives. Anger comes in. La colère entre. Bitterness comes in. L'amertume. Unforgiveness comes in. Le manque de pardon. And before you know it, avant que tu t'en rendes compte, you are derailing. Tu es en train de te nuire parce que you are blaming somebody. Tu blâmes quelqu'un. Never blame God. Ne blâme jamais Dieu. For whatever. Pour quoi que ce you soit. You know why? Tu sais pourquoi? Excuse me. Excuse-moi. God is God. Dieu est Dieu. And God is sovereign. Et Dieu est souverain. Who are you and me? Qui es-tu et qui suis-je? You ever think? Pour penser we can dictate to God que nous pouvons dicter à Dieu how God should act, comment Dieu devrait agir, how God should behave.